Priez sans cesse, votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession pour Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé. Nous sommes à tes pieds, Seigneur. Nous attendons une parole de toi, Seigneur. Parle-nous, dis-nous que tu ne nous as pas encore oubliés, Père. Que tu te souviens
Moussandara da ba 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 shikara da ba. Seigneur, tu es le Dieu qui se souvient de nous, qui ne nous a jamais abandonnés. C'est un cri de cœur que nous t'apportons ce matin. Nous voulons te rassurer, Seigneur, parce que tu es notre Père qui ne nous a jamais oubliés, qui se souvient totalement de nous à tout moment. Quand nous sommes à ses pieds, Seigneur, c'est pour cela que nous aimons venir à tes pieds, Père éternel, parce que nous savons que pendant que nous sommes à tes pieds, Père éternel, ta grâce est sur nous. Nous sommes couverts par ta puissance. Père, tu es là avec nous. Merci d'être là, Seigneur. Louange et gloire te soient rendues ce matin pour la vie que tu nous as donnée, pour la vie que tu as donnée à tous nos frères, toutes nos sœurs, Seigneur, qui nous suivent encore, qui prient avec nous ce matin, Seigneur. Gloire et honneur te soient rendues, notre Père. Louange à toi, Seigneur. Alléluia. Merci pour ta grâce. Amen. Oh, nous sommes bénis ce matin au nom de Jésus. Le Seigneur se souvient de nous au nom de Jésus. Le Seigneur se souvient de chaque personne qui se trouve devant lui au nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce et ta fidélité, notre Père. Gloire et honneur te soient rendus. J'ai envie de vous dire un encouragement. Un encouragement. Et cette pensée, pour moi, pourra te permettre de pouvoir croire que le Seigneur est capable de tout faire. Et comment une chose va se passer, c'est l'affaire de Dieu. Voici une histoire qui s'est produite dans la Bible. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 31, nous lisons. Et voici, tu deviendras enceinte. Là, c'est un ange qui parle à Marie. Qui tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Verset 34, Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Mais regardez la question de Marie. Comment la chose va se faire? Parce que le principe normal, c'est qu'une femme connaisse un homme. Et quand on a fini de se connaître, il y a une semence qui est donnée. Il faut avoir des possibilités même de garder la semence, de tomber enceinte et puis d'enfanter après. Elle dit, mais je ne connais pas d'homme. Comment la chose va se passer? Vous savez, une fois je l'ai dit ici, le comment appartient à Dieu. Comment est-ce que ça va se passer? Il a dit une parole ici. Ce n'est pas qu'on demandait l'avis de Marie. C'était des affirmations. Tu seras enceinte, tu vas enfanter un fils. C'était clair, c'était précis. Il y a des gens à qui Dieu a dit des choses, qui se posent toujours des questions. Le comment, comment. Et vous vous tracassez parce que vous voulez savoir comment la chose va se passer. Je vous dis, la suite du verset, le verset 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu. Oh, j'aime ce verset. Rien n'est impossible à Dieu. Quand Dieu a dit quelque chose et que vous n'avez pas de choix, il réalise sa chose. Là, Marie n'avait rien à faire. La seule chose que Marie avait à faire, c'est se disposer, croire que ce que tu as dit là, moi, il attend. Il y a des moments, il faut qu'on dise à Dieu, Seigneur, je t'attends. C'est toi qui as dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est toi qui as dit, je t'attends. Parce que là, il n'a pas dit à Marie, mets-toi comme ça. Il dit, non, tu seras enceinte. Tu vas enfanter un fils. On va lui donner le nom de Jésus. Et puis Marie demande, comment la chose va se passer? Il y a des hommes qui passent loin de certaines bénédictions parce qu'ils se posent sur la question de savoir comment. Ou bien eux-mêmes veulent trouver le comment avant de faire. Vous savez, souvent, j'ai dit aux gens, la meilleure façon d'être exaucé, c'est de dire à Dieu son sujet de prière, son besoin et non comment il doit être exaucé.
Je vais mettre quelques exemples. Il a dit, par exemple, regardez quelqu'un qui prie, qui dit, Seigneur, touche le cœur de telle personne. Tu lui dis le comment, tu ne dis pas ton besoin. Dis à Dieu ton besoin, laisse le comment. Parce qu'il peut toucher le cœur de n'importe qui. Il a utilisé des corbeaux pour nourrir Élie. Après, quand il a senti que les corbeaux n'étaient plus utiles à Élie, il a utilisé une veuve qui n'avait même pas plus d'un kilo de riz, pour dire ça comme ça, pour nourrir Élie pendant des moments. Dieu seul sait comment est-ce qu'il va t'exaucer. J'ai envie de te dire ce matin, crois au Seigneur, crois en la parole qu'il t'a dite. Il t'a dit que tu vas partir d'un point A à un point B. Crois en ce qu'il t'a dit. Comment? Laisse ça, parce que rien n'est impossible à Dieu. Ici, souvent, on veut fonctionner selon les principes humains. Je n'ai pas de diplôme, donc je ne peux pas travailler dans telle entreprise. Je n'ai pas ceci, donc je ne peux pas faire cela. Je n'ai pas ceci, donc je ne peux pas faire cela. Vous savez, un jour, le papa Karambiri, ce grand homme que je respecte, c'est notre père qui est au Burkina Faso, a rendu son témoignage. J'ai été émerveillé. Il dit, le Seigneur lui a dit, va dans tel pays. Il n'avait pas de visa, il n'avait que son passeport. Il a pris son passeport et il est parti. Et le Seigneur l'a conduit jusqu'à l'endroit où il devait faire le séminaire, sans que quelqu'un ne le dérange. Hein? Et il disait ça en souriant, il disait, vous croyez que c'est facile? Mais en fait, il a manifesté la foi, il a cru que Dieu lui a dit que tu vas arriver là-bas. Il est parti jusqu'à ce qu'il arrive. Parce que quand Dieu te dit quelque chose, souvent il ne demande pas ton avis. Il va réaliser la chose. Alors j'ai envie que tu dises une expression avec la chante. Je veux te faire confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Je sais qu'il y en a qui me disent, pasteur, ce que disait, c'est trop facile. Quand Dieu t'a dit que tu vas faire un enfant, et puis rien ne présage que tu pourras faire l'enfant. C'est pas facile. Oui, je sais que c'est pas facile. Mais dis à Dieu, Seigneur, je sais que c'est pas facile. Mais je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Je veux te faire confiance. Parce que je sais que c'est pas facile. Moi-même, je doute déjà. Mais comme tu m'as dit, je vais faire comme Pierre. Sur ta parole, je vais marcher. Je veux marcher parce que tu m'as dit. Sinon, moi, je sais que l'océan qui est là, j'ai peur de ça. L'activité, la difficulté qui est là me surpasse. Mais je veux te faire confiance. Disons-le en chanson. Que ce soit un cri de cœur, une expression. Disons à Dieu, je te fais confiance, Père. C'est vrai, Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Non, Seigneur. De chanter sur le toit. Ce n'est pas du tout facile. Non, Père. Moi, je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Quand tu dis quelque chose, Père, tu réalises. Jésus est fidèle. Ce n'est pas facile pour moi de te faire confiance, mais je prends ta fidélité, Seigneur. Je crois que quand tu dis quelque chose, la Bible dit, tu es lié à ta parole pour réaliser, Seigneur. Tu as dit que j'allais enfanter, Père. Mais ça prend du temps, Père éternel. Seigneur, ça prend du temps. J'ai cherché par mes propres moyens d'avoir cet enfant. Mais c'est toi qui es capable de le faire, Seigneur. Je veux te faire confiance. Tu as dit que j'allais avoir du travail. Tu as dit que j'allais partir d'un pays à un autre, Seigneur. Mais Père, les choses sont fermées. Mais je te fais confiance, Seigneur. Ma vie aujourd'hui n'est pas stable, Seigneur. Je pars d'ici à là, Seigneur. Mais je sais que c'est toi le Dieu de la stabilité qui me donnera de la stabilité. Je te fais confiance, Père. Parce que je n'ai pas les moyens pour me trouver une stabilité.
Il n'est pas les facilités. Mais Seigneur, toi seul, rien n'est impossible, Père. Oh Seigneur, rien n'est impossible, Seigneur. Rien n'est impossible, Seigneur. Je te fais confiance ce matin, 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 Seigneur. Je te fais confiance. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Je te fais confiance. Oh Seigneur. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi. Ce n'est pas facile pour moi. De chanter ce refrain. Ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout. Non, c'est vrai, Seigneur, ce n'est pas facile. Je te fais confiance. Oh, Seigneur. Alléluia. Je veux te faire confiance. Fais confiance à Dieu pour ta guérison que tu cherches. Fais confiance à Dieu pour le travail que tu cherches. Fais confiance à Dieu parce que même si les médecins ont dit que tu ne peux pas enfanter, le Seigneur est capable d'ouvrir tes entrailles. Il est capable de donner la fertilité, la fécondité. Il est capable de le faire. Oh, mon chandara da ba 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 ba. Ra ba 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 so bo bo shi ga ra da ba 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 ba. Ra da ba 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 so bo 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 shi ga ra da ba 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 ba. Seigneur, tu m'as dit et tu le feras. Le comment t'appartient, Seigneur, parce que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu ne vas pas me laisser tomber. J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur. Je sais que tu vas ouvrir le ciel, Père. J'ai mis ma confiance en toi, Père. Je sais que tu vas briser ces chaînes qui me lient depuis longtemps. Père, les hommes pensent que c'est impossible parce que ça ne fonctionne pas selon leurs principes, selon leurs normes. Mais Père, je te mets ma confiance en toi, Seigneur. Oh, c'est vrai, Seigneur. Je mets ma confiance en toi. Oh, Prince de Paix, je mets ma confiance en toi. Passe un moment de silence et que tu révises l'état de ton cœur. Le Seigneur veut que tu places ta confiance en lui et tu l'as dit. Tu as dit, Seigneur, je mets ma confiance en toi. Et parce que tu as mis ta confiance dans le Seigneur, ta situation commence à changer. Parce que tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et le Seigneur ne va pas fonctionner avec toi selon des principes humains. Il va te positionner dans les endroits juste avec sa main, avec sa puissance, pour que tu ne sois redevable à personne, pour que tu sentes que c'est la grâce de Dieu qui propulse, pour que tu comprennes qu'il est vrai, que la Bible dit qu'il te prend dans la poussière, il te lave, il te positionne. Il te met une place
où les gens n'espéraient pas te voir. Je prie maintenant que tous tes ennemis qui ont déclaré un échec tombent dans la poussière au nom de Jésus. Parce qu'ils verront que le Seigneur, ton Père, a déjoué tous leurs pronostics, t'a positionné. Ce matin, ce que tu dois faire encore, après avoir dit Seigneur, j'ai mis ma confiance en toi, tu vas dire Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais pour moi, Seigneur. Je n'ai pas de moyens. Je n'ai pas de stratégie. Je n'ai pas de connexion. Mais toi seul es ma connexion. Je me viens devant toi, Seigneur. M'humilier devant toi, à tes pieds, Seigneur. Parce que c'est toi qui es le Dieu capable de me prendre de la poussière où je suis, de l'humiliation où je suis, de l'instabilité que je vis pour me positionner. Prie avec moi. Dis-le avec tes paroles. Dis-le avec tes paroles. Dis à Dieu, Seigneur, je compte sur toi. J'ai besoin que tu viennes dans mon cœur, Seigneur. Je suis à tes pieds, Père éternel. J'ai souvent l'impression que je suis en train de vivre selon le pronostic des gens. Ils ont déclaré que je n'allais pas aller loin. Déclaré que ma vie ne servira à rien. Ils ont déclaré que j'étais un bon à rien. Et quelquefois, les événements, les situations que je vis me montrent que ces personnes veulent avoir raison. Mais c'est un mensonge. Parce que tu es le Dieu qui trace la vraie histoire de chaque personne. Et je sais que tu as tracé mon histoire, Seigneur. Tu as tracé mon histoire, Seigneur. Et je m'abandonne à toi. J'ai envie qu'on change. Je viens devant toi, le cœur assoiffé, Seigneur. J'ai besoin de toi, j'ai soif de toi. Je viens devant toi, le cœur assoiffé. J'ai besoin de toi, Seigneur. Nous allons le chanter avec la chante. Je viens dans ta présence, le cœur assoiffé de toi. Pour dire à Dieu, Seigneur, nos cœurs sont assoiffés de toi. Nous savons que tu es le Dieu qui change l'histoire. Tu as pris Esther, tu l'as positionné au palais. Tu as pris David, tu l'as positionné au trône. Tu changes l'histoire de tes enfants, Seigneur. Je viens dans ta présence, Seigneur, ce matin. Le cœur passionné de toi. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je suis fatigué de trouver mes propres stratégies, mes propres solutions. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi, Seigneur. Mon cœur est assoiffé de toi. C'est le Dieu qui donne la solution, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour ces situations. Pour ma vie, pour mon rafraîchissement, Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul, j'ai besoin de toi. Seigneur, merci pour ta grâce et ta fidélité. Merci de nous remplir. Merci de nous bénir. Au nom de Jésus, disons Amen. Amen. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Amen. Nos cœurs sont assoiffés de toi, Seigneur. Nous venons devant toi pour te dire, Seigneur, si tu n'interviens pas, personne ne le fera. Si tu n'interviens pas, nous serons morts et notre sort sera scellé. Mais avec toi, nous avons la victoire parce que rien n'était impossible. Tu ne vas pas fonctionner avec nous, Seigneur, selon le principe des hommes. Mais tu as ton propre, tu as tes propres principes et ton propre plan pour nous. Nous te bénissons pour cela. Nous allons prier pour la journée. Dis, Seigneur, merci pour la journée. Merci, Seigneur, parce que tu nous bénis. Nous allons laisser le pasteur bienvenu prononcer des bénédictions pour suivre votre journée en quelques secondes pour que vous puissiez repartir dans cette journée-là avec la grâce du Seigneur. Maintenant, par la puissance et par l'autorité de Dieu, je déclare que quel que soit ton secteur d'activité,
L'Éternel t'établit au nom de Jésus-Christ. Tu vivras un témoignage palpable en ce jour-ci au nom de Jésus. Je déclare maintenant qu'on t'annonce une très bonne nouvelle. Peu importe ce que tes mains vont toucher en ce matin ou en ce jour, que cela prospère au nom de Jésus-Christ. Tout lieu que foule la plante de tes pieds, je déclare que cela soit ta portion d'héritage et de grâce au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'habite et t'accompagne au nom de Jésus. Je déclare dans cette journée le règne de Dieu, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu au nom suprême de Jésus. Merci Seigneur parce que tu bénis la journée au devant de nous. Que tous les projets de mort, tous les projets de maladie, tout ce qui est mauvaise nouvelle soit vaincu et soit détruit au nom suprême de Jésus. Je déclare maintenant que de là où tu vas, que la grâce de Dieu t'accompagne et que tu rentres sain et sauf au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Votre journée est bénie. Nous avons été heureux de passer ce moment avec vous. Nous étions sur le plateau avec le pasteur. Bienvenue, pasteur Christ. Je préfère pasteur Christ. Et le pasteur, la sœur, la chantre. Emmanuel Ouaga, avec eux, nous avons célébré le Seigneur. Nous avons essayé de vous exhorter sur le fait que le comment appartient à Dieu. Comment les choses vont se passer, ça c'est le champ d'expression du Seigneur. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne. Vous avez besoin de prière, vous avez besoin d'être écouté, vous avez besoin qu'on vous, on vous accompagne dans la vie spirituelle. Nos adresses et numéros s'affichent sur votre écran. Vous pouvez nous appeler, nous écrire pour que nous puissions entrer en contact avec vous. Restez dans la communion du Saint-Esprit. Gardez la foi parce que si le Seigneur vous a dit quelque chose, il le fera très certainement. Amen. Bonne journée à vous. Priez sans cesse. Votre nouvelle émission matinale de prière et d'intercession sur Béni TV. Êtes-vous malade? Avez-vous un blocage quelconque? Votre vie est-elle menacée? Sentez-vous des oppressions? Et avez-vous d'autres sujets pour lesquels vous souhaiterez qu'on prie? Rejoignez cette chaîne de prière chaque matin, du lundi au vendredi. Priez sans cesse, priez sans cesse, du lundi au vendredi, à partir de 5h30. Priez sans cesse, priez sans cesse, dévante l'aurore et prends possession de ta journée. Maintenant je suis sauvé.